puis remise de diplôme par l'Institut Booster Afrique. Ce samedi 21 octobre 2023, l'Institut a organisé une cérémonie de remise de diplôme à des participants en fin de formation à la Maison de la Presse d'Abidjan. Objectif de l'Institut Booster Afrique, fournir une éducation de qualité, développer les compétences professionnelles des jeunes Africains et offrir une seconde chance pour une meilleure intégration professionnelle. Michel Brou et Richard Akeke. Ce sont 301 participants ayant achevé des formations à l'Institut Booster Afrique qui reçoivent leur certificat de fin de formation. Après une année d'apprentissage, ces diplômes viennent sanctionner les efforts de ces auditeurs. Tout au long de l'année, les apprenants ont reçu des enseignements en ligne et en présentiel pour renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans différents domaines, notamment des formations qualifiantes et professionnelles. Célébrer la réussite était le sens à cette cérémonie qui voulait inviter la jeunesse à faire le choix de la formation afin de garantir leur réussite socio-professionnelle. C'est une journée de gratitude, non seulement à Dieu, mais aussi à tous nos partenaires et à ces étudiants qui ont fait confiance à Booster et qui aujourd'hui nous sommes fiers et nous sommes fiers aussi pour l'engagement qu'on a pris ensemble. Nous voulons dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui pensent que n'ont plus le temps de encore à l'école. Parce qu'ils pensent qu'étant au boulot, il n'y a plus de temps pour aller à l'école. Non, il y a encore du temps parce qu'il y a encore les cours de soir qui sont toujours disponibles. La cérémonie de remise de diplôme de l'Institut Booster Afrique est un événement qui contribue à la promotion de l'excellence. Cette cérémonie vient achever l'année académique 2022-2023.